Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu sur téléphone, Dragon Rider Idle. C'est un jeu qui est sorti le 14 janvier 2024. Donc un jeu que nous allons découvrir ensemble. Alors, c'est un petit jeu de rôle incrémental avec des dragons. Idle, voilà. Allez, on va tester tout ça. On va... Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Invoquer arme en soi. Ok, ça c'est bon. La mission principale, émission normale. En soi. Voilà. Attaquer l'amélioration x10. Level 100. Ouf. Ça monte vite. Pas mal. On est à d'autres dragons là. Alors, un poké fois 100. Ok. Croissance PV. Ah, c'est le niveau qui est marqué là. D'accord. Alors, qu'est-ce que là, là ta croissance, c'est à ce que tu montes le niveau. Ok. Prairie, donc je sais pas encore. Rune, relique, apparence. Je n'ai même pas pu équiper encore les armes que j'ai. Donc là, d'équipement. Tu peux tout fusionner ici. Équiper la meilleure. Elle est déjà équipée. Ok. Ah, ça équipe automatiquement la plus forte, j'ai l'impression. C'est pas mal. Armure fois. Ensemble, parfait. Invoquer des armes 150 fois. Ça fait mal aux oreilles le... quand tu invoques. Alors, croissance PV 150. Ça fait mal aux oreilles. Augmente la 150 fois. Bon. On va voir après ce qu'il nous propose. On a ses équipements. Donc tu peux avoir arme, armure, bague et immortel. Ok, je peux pas encore débloquer. Les compagnons. Donc tu peux avoir plusieurs compagnons. Quand même équipé. Ah d'accord, ok. Tu peux en équiper plusieurs. Ça, je les ai pas encore. C'est celui-là qui est équipé. Après, il faudra regarder lequel vous voulez. Équiper dragon, la boutique, fabriquer, apparence. Donc là, c'est là que vous invoquez arme, armure, bague, compétences, compagnon et relique. Vous avez la boutique, le stop pub. Je regarde souvent, moi, c'est stop pub à 4 euros. Ça va. Il est pas trop cher. À 4 euros. Dans le menu, qu'est-ce qu'il nous propose? Avis, boîte aux lettres. Je me suis préinscrit dans logiquement. Ouais, pas mal de tickets. Mission, effet ensemble, rang, assiduité. Donc ça c'est les trucs de connexion tous les jours. Et là tout ce qui est événement en haut. Donc là j'appuie sur percer et ça avance petit à petit, non? Ou ça répète? Non c'est bon. Ouais, faut qu'il y ait le percer répétition qui soit marqué comme ça. Donc là t'as les petits buffs de début, l'autre a des buffs normalement. Et toutes les informations. Donc là tu peux mettre tes équipements, tes compagnons. Informations divers et attributs à monter. Ça marche. Améliorer compagnon. Ah, c'est pas mal, t'as deux missions différentes. T'as deux quêtes différentes. Les événements. Ok, t'as pas. T'en as un petit peu, mais t'as pas énorme. Hein.
Voilà, bon, ça ressemble un peu à tous les autres. Hein. Et il y a beaucoup moins de choses, je trouve. Hein. Moins de fonctionnalités, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose après encore? C'est la version d'attaque à 200. Encore plus vite, plus haut, comme ça. On va taper encore plus. 150 fois. Hop, ça c'est bon. 300 fois. Là je peux invoquer des bagues. x3, des compagnons aussi. Plus qu'à monter le jeu. Ok, bah vous voyez un petit peu ce que vous aurez à faire. Il est marrant comme ça. Bon, dans l'ensemble, mitigé. Hein. On a déjà vu mieux et j'ai déjà vu pire. Et puis écoutez, si vous avez envie de tester, faites-vous plaisir. Moi je trouve moyen. Moyen, voilà. Après, c'est à vous de choisir si vous avez envie de tester. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.